Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour le message de l'archange Métatron pour ce mardi 17 mai 2022.
J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors pour commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort, eh bien, ça sera celui que je nourrirai le plus. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé Japon, le chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est le troisième, n'est-ce pas, sur les sept chakras que nous avons sur le corps, et il est aussi appelé Manipura. Et ce point d'énergie, eh bien, il se situe juste en dessous du sternum, en bas, vraiment en bas des côtes, dans la région épigastrique, n'est-ce pas? C'est vraiment près de l'estomac. Le chakra du plexus solaire. Pardon. Vous êtes un guérisseur qui s'est incarné sur la Terre-Mère, eh bien pour transmettre l'énergie universelle. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Les gens sont attirés vers vous. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener, eh bien, très loin. Et le chakra du plexus solaire de la Terre-Mère, eh bien, il est situé sur le mont Fuji. Et le mont Fuji, c'est au Japon. Regardez un peu cette carte avec, eh bien, l'arbre, le cerisier du Japon, n'est-ce pas? Et cette carte, eh bien, je l'ai pigée aujourd'hui pour qu'elle nous sert à nous rappeler que les émotions que nous vivons présentement, eh bien, nous aideront à comprendre davantage notre mission pour que nous puissions réaliser pleinement toute la grandeur de notre destinée. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir un certain sentiment de doute obstruant ainsi votre vision et qui entraînera du retard dans vos projets. Peut-être que c'est encore une cacophonie dans votre tête, n'est-ce pas? Et ce manque de confiance, eh bien, ça bloque. C'est vos doutes, n'est-ce pas? Vous les bloquez vous-même à cause de vos doutes. Donc, allez de l'avant, vraiment. Cette carte, elle vient aussi vous dire que votre âme, eh bien, elle désire que vous preniez conscience de toute l'étendue de votre don de guérison. Cette carte, elle nous renseigne aussi, elle vous renseigne sur l'énergie Gaïa et sur le lien qui l'unit, n'est-ce pas, au divin. Il est conseillé que vous harmonisiez votre chakra du plexus solaire et comme ça, eh bien, vous pourrez ainsi vous libérer de certaines entraves qui empêche l'essence de votre âme de se manifester. Peut-être que ce chakra-là n'est pas aligné avec les autres, peut-être qu'il est mis sur le côté, donc peut-être faire un petit travail là avec ce chakra-là, n'est-ce pas? Soit en méditation, hein, ou en mantra, ou voilà, c'est selon dont vous avez envie de le faire. En tous les cas, eh bien, cette carte, elle nous montre que vous êtes prêt à suivre une nouvelle formation. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous pensez à faire une formation. Ça peut être une formation au point de vue de votre travail. Ça peut être
quelque chose que vous voulez avoir en plus, une corde à votre arc, par exemple, hein. Peut-être suivre un cursus, une formation. Moi, ça me parle terriblement, cette carte, parce que je vais faire une formation dans pas longtemps. Donc, ça me parle énormément. Alors, n'écoutez pas les propos des autres, et parce que bon, c'est pas toujours de bons conseils, et laissez-vous guider tout simplement par votre petit cœur. Voilà. Alors, il se pourrait aussi qu'il y ait un lien avec une personne qui draine votre énergie. Eh bien, prenez soin de votre chakra du plexus solaire. Il est important, tous les chakras sont importants, n'est-ce pas? Et s'ils ne sont pas bien alignés, eh bien, on a des distorsions dans notre corps, dans notre comportement, dans la façon de voir les choses, la façon d'accueillir les choses, la façon dont les choses, on les dégage. Donc, il est quand même très important d'aligner, de bien aligner tous nos chakras. C'est encore un magnifique message, n'est-ce pas, de notre bel ange, bel archange Métatron. Et je terminerai, n'est-ce pas, par l'énergie de guérison. Et aujourd'hui, c'est amour de soi. Je suis attentif à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Et mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme. Ainsi, eh bien, j'apprends à m'aimer. Waouh, très beau message aussi, hein, l'énergie de guérison. Et je terminerai, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous embrasse, on se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien. À demain.